Paris, le 28 mai 1958. 300 000 personnes défilent de la République à la Nation pour défendre la République qu'ils jugent en danger. Ce danger a un nom et un visage bien connu, celui du général de Gaulle, rappelé au pouvoir le matin même et qui veut mettre fin aux institutions de la 4e République qu'il a toujours détestées. Les manifestants sont également ulcérés par les conditions de ce retour au pouvoir de l'homme du 18 juin, à la faveur d'une crise où la République a été prise en otage par des généraux à Alger. En 1958, la gauche est profondément désunie. Et si la manifestation de Paris reste pacifique, au même moment à Bordeaux et dans plusieurs villes de province, les communistes et les gaullistes se castagnent. Voici l'histoire de ceux qui ont refusé dès le début les institutions dans lesquelles nous vivons depuis 60 ans. Quinze jours avant la manifestation de Paris, la 4e République, qui ne se portait déjà pas très bien, est entrée en agonie à Alger. Quatre années d'une guerre coloniale sans merci ont donné à l'armée une place prépondérante dans la conduite des affaires. Tous les partisans de l'Algérie française, à commencer par les colons, mettent en elle tous leurs espoirs. D'autant qu'à Paris, les gouvernements qui se succèdent sont indécis et velléitaires et se bornent à couvrir ou à suivre les initiatives de l'armée sur le terrain. Au mois de mai 1958, après quatre semaines de crise qui ont laissé le pays sans gouvernement, la rumeur court que le président du Conseil pressenti aurait pour nom Pierre Flimelin, démocrate chrétien sans aspérité, mais qui a osé évoquer la possibilité de pourparler avec la rébellion algérienne. Cette éventualité fait tourner le sang des généraux d'Alger. Ce 13 mai 1958, il laisse délibérément la foule des Algérois en colère prendre d'assaut le bâtiment du gouvernement général. Le général Salan, la plus haute autorité militaire d'Algérie, et le général Massu, vainqueur l'année précédente de la sanglante bataille d'Alger, crée un comité de salut public. D'abord, on n'y a pas cru. Le 13 mai 58, j'étais sous les drapeaux, comme on dit. En vérité, j'étais à l'école d'officiers, l'école d'officiers de l'armée de l'air à Caen. On a été immédiatement consigné sur la base, ça veut dire qu'on n'avait plus le droit de sortir. Dans la fin de l'après-midi, on nous a saisi toutes les radios, mais on avait des informations parce qu'on se débrouillait et puis on écoutait la radio avec des radios planquées. Les généraux affirment leur détermination en adressant un télégramme au président de la République, René Coty. Ils exigent la création d'un gouvernement de salut public qui maintiendra le drapeau français en Algérie. À Paris, les députés réagissent en faisant bloc autour de Pierre Flimelin, investi à une énorme majorité. Donc le 13 mai au soir, on se retrouve avec deux pouvoirs de part et d'autre de la Méditerranée. Un pouvoir légal à Paris et un pouvoir de facto, de fait, à Alger. La situation est objectivement grave. Alors là, tout d'un coup, on s'est dit que c'était extrêmement grave, c'était un putsch. La République était en danger, mais on était bloqués. Alors, vous savez, on avait 22, 23, 24 ans. On était tous pour la fin de la guerre d'Algérie. On était tous convaincus que l'Algérie serait indépendante. Donc, ce putsch me paraissait une espèce de monstruosité historique, mais extrêmement dangereuse, surtout que c'était les mêmes unités qui étaient réputées avoir pratiqué la torture, le massacre, les terreurs, les villages brûlés, etc., les mêmes parachutistes qui faisaient le putsch à Alger. Donc, on pensait qu'il y avait un risque très rapide de débarquement en France. Dès le surlendemain, un pas décisif est franchi. Le général Salan fait acclamer par la foule le nom du général de Gaulle
qui vit retiré de toute vie officielle, bien loin d'Alger et de Paris. Où était De Gaulle? D'abord, De Gaulle, il est à Colombelles-les-Deux-Églises. Officiellement, le général De Gaulle est détaché, en quelque sorte, de la vie politique. Et d'ailleurs, il est en train de rédiger ses mémoires de guerre. Donc, c'est un retraité de la politique et même un retraité de l'histoire. En réponse aux appels d'Alger qui montent vers lui, le général De Gaulle répond le jour même par un communiqué dans lequel il indique qu'en cette heure de crise, il est disposé à assumer les pouvoirs de la République. Le général ne condamne pas les militaires d'Alger, que la majorité des parlementaires considèrent comme des factieux purs et simples. À l'Assemblée, les trois grands partis qui gouvernent ensemble la 4e République depuis 12 ans se dressent unis contre De Gaulle. Je sais que de grands changements sont nécessaires. Les démocrates chrétiens du MRP soutiennent naturellement leur leader Pierre Flimelin, qui est à Matignon depuis 3 jours. Le parti radical, indispensable charnière de toutes les coalitions, a également des hommes à lui dans le gouvernement de Flimelin. Les socialistes SFIO derrière Guy Mollet forment la troisième aile de cette majorité, déterminée à s'opposer au retour de De Gaulle dans le fourgon des généraux d'Alger. Guy Mollet, le grand patron des socialistes, consent néanmoins à demander publiquement au général s'il serait prêt à se présenter devant l'Assemblée nationale avec un programme et à se retirer s'il n'obtenait pas la confiance. Cette modération dans la condamnation heurte les communistes qui sont d'emblée les plus virulents opposants au général. Le Parti communiste est à cette époque le premier parti de France. Il est totalement rejeté par les autres forces politiques, y compris par la gauche socialiste. Mais son influence dans le monde intellectuel ou syndical est énorme. Quoi qu'il en soit, le nom du général est maintenant au centre des débats. 4 jours après son communiqué, l'intéressé sort de sa tanière et se rend à Paris pour une conférence très attendue. Mesdames, messieurs, il y aura tantôt 3 années que j'ai eu le plaisir de vous voir. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous en souvenez, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au développement probable des événements. Et aussi quant à ma résolution de garder le silence, jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrai servir le pays. C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Dès le milieu du mois de mai, le général de Gaulle apparaît comme un recours, avec d'ailleurs un problème de fond qui continue à hanter la mémoire de notre histoire proche, en quelque sorte, c'est de savoir si ce processus, dont il devient très vite non seulement l'acteur principal, mais même le bénéficiaire potentiel, est un processus qui a été créé, sinon par lui, en tout cas par les gaullistes, ou est-ce qu'il entend, excusez l'expression triviale, tirer les marrons du feu d'une situation qui, d'un seul coup, s'est aggravée et dans laquelle il apparaît, où il réapparaît comme un acteur majeur. Le 24 mai, à la stupeur générale, sur un ordre venu d'Alger, les parachutistes basés en Corse s'emparent des 2 préfectures de l'île. La tension est à son comble. Seul De Gaulle paraît capable de faire rentrer les militaires dans les casernes. Des parlementaires parmi les plus endurcis commencent à fléchir. Au bout d'un moment, l'idée, c'est que le général de Gaulle est, je le répète, pour les uns un moindre mal, pour les autres, une solution équitable et viable. Sauf que le problème, c'est qu'il est hostile au régime. Et donc, dans les tractations en coulisses, il y a l'idée que, enfin, le général de Gaulle le dit et l'obtient, il y a l'idée que la contrepartie de son acceptation de revenir sous cette forme, c'est qu'il aura la possibilité qui lui sera dévolue par les parlementaires de changer la Constitution. Guy Mollet fait le voyage de Colombey pour sonder les intentions démocratiques et républicaines du général de Gaulle. Il en revient comblé et converti. Le camp des Républicains se fissure. Pierre Flimelin n'est plus soutenu. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli
au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Tous les regards se tournent alors vers le président de la République, René Coty. Au matin du 28 mai, dans un communiqué, il fait savoir que pour former le gouvernement, il a fait appel aux plus illustres des Français. La nouvelle déclenche immédiatement la réaction indignée des Républicains qui restent hostiles à De Gaulle. La grande manifestation de protestation aura lieu l'après-midi même de la Nation à la République. Pierre Mendès France et François Mitterrand marchent en tête de cortège. Dès ce moment, chacun à sa manière, ils incarnent l'opposition républicaine à l'avenir gaulliste qui attend le pays. Mendès France appartient au Parti radical, mais il est en rupture de banc. Au sein de la gauche non communiste, il jouit d'un prestige incomparable depuis sa présidence du Conseil en 1954. C'est un homme de principe et de rigueur. François Mitterrand est également un électron libre, sans grand parti derrière lui, très vaguement positionné au centre gauche et flou de l'échiquier politique. Il n'est pas forcément celui que les manifestants de ce jour attendent, mais il prend date. Pourtant, ce grand rassemblement est un baroud d'honneur. Cette manifestation, il y a un débat historique. Les uns disent qu'elle a été complètement ratée en disant qu'il y a eu 200 000, d'autres disent qu'il y en a eu 300 000 ou un peu plus. Disons que dès le 28 mai, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que les défenseurs de la 4e République ne sont pas si nombreux. Parce que même s'ils ont été 300 000, même disons 350 000 pour défendre la République, c'est pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont les slogans lors de cette manifestation du 28 mai. Car qu'est-ce qu'on entend ? On entend le mot « bonapartiste », qui dans la bouche d'un républicain, naturellement, n'est pas spécialement bienveillant, mais on entend aussi « fasciste ». Parce que un des mots du vocabulaire de la gauche, pendant toutes ces années, c'est « le fascisme ne passera pas », qui souvent désignait un certain nombre de gens, soit d'extrême droite, soit partisans de l'Algérie française. Mais là, d'une certaine façon, on désigne ainsi le général de Gaulle. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont dans une opposition, j'allais dire, extrême au général de Gaulle. D'autres le sont tout simplement au nom de leur culture républicaine. Il y a l'idée que, effectivement, ça ne se fait pas. Qu'une telle procédure viole non seulement les textes, mais surtout l'esprit d'un régime parlementaire. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? On n'a peut-être pas mis en avant De Gaulle fasciste, ça c'est certainement pas, parce que bon, ben, l'opinion publique ne l'aurait pas reçu convenablement. Mais sur l'idée que c'était un pouvoir qui pouvait être à la limite dictatorial, oui, on le pensait sérieusement à l'époque. Les parlementaires, ralliés au général, ont obtenu de lui qu'en contrepartie, il respecte à la lettre les usages de cette 4e République qu'il s'apprête à tuer. Le 1er juin, De Gaulle se présente donc devant les députés pour obtenir leur investiture. Un homme seul s'assied, le général De Gaulle. Tout à l'heure, il montera à la tribune pour lire sa déclaration. Il réclame les pleins pouvoirs pour 6 mois et la rédaction d'une constitution qui sera proposée au suffrage des Français au début de l'automne. Mais contrairement aux usages, sa déclaration terminée, le général quitte l'Assemblée sans assister au vote. Ce qui est intéressant, c'est le décompte des voix. Il y a quand même, et là aussi c'est une façon pour nous de voir où se situe le curseur du nom, mais à cette date, puisqu'il va encore évoluer, hein, le 1er juin, il y a 224 parlementaires qui ne vont pas voter l'investiture et 329 qui vont la voter. Au cours des discussions qui précèdent le scrutin, Pierre Mendès France et François Mitterrand ont marqué très nettement leur opposition. Le premier déclare que le vote est contraint par l'insurrection et la menace d'un coup de force militaire, et que le consentement de l'Assemblée nationale est vicié. Quant à Mitterrand, il déclare qu'en 1944, les compagnons du général se nommaient Honneur et Patrie, et qu'ils s'appellent aujourd'hui le coup de force et la sédition. Il a été le dernier président du Conseil des ministres de la 4e République, élu dans des conditions politiques anormales,
mais dans des conditions juridiques indiscutables. Bon. Et en plus, l'Assemblée qui lui a donné la confiance craignait les parachutistes plus qu'elle ne craignait De Gaulle. Dans les 24 heures qui suivent le vote, un très large gouvernement d'union nationale se constitue autour du général. Les grands partis de la 4e y sont largement représentés. Guy Mollet, le patron des socialistes, et Pierre Flimelin, dont l'investiture avait déclenché la fureur des généraux d'Alger, y sont ministres d'État. Sitôt son gouvernement formé, le nouveau président du Conseil quitte Matignon et s'envole pour l'Algérie. Il y reçoit un accueil triomphal, tant des civils que des militaires. Tous sont persuadés que De Gaulle gardera l'Algérie à la France, puisqu'il leur doit son retour au pouvoir. Sur la place du Forum, entouré par les militaires qui l'ont appelé, il trouve une formule propre à enthousiasmer la foule, mais qui ménage l'avenir. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, ça s'entendait à la radio. Alors, je l'ai compris, c'est ambigu comme expression. La menace de la guerre civile étant maintenant écartée, le général met la priorité sur la Constitution que Michel Debré est chargé de rédiger. Michel Debré a 48 ans. Il est sénateur depuis 10 ans. C'est un gaulliste impénitent qui n'a jamais lâché le général, même au temps de la traversée du désert. Et il méprise la 4e République autant que lui. C'est l'aboutissement pour lui de tout son combat politique. Il a, sous la 4e République, refusé, mon père, tout poste ministériel. Il était dans une opposition pensant que le régime des partis était condamné. L'analyse de mon père, d'un certain nombre d'autres compagnons du général de Gaulle, était que si l'on veut restaurer l'autorité en France, si on veut que la France existe, il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à l'État de décider, d'ordonner, de commander. Le problème de la 4e République, c'est qu'elle était mal aimée. C'est en même temps une énigme, car il faut bien voir que cette 4e République, elle était porteuse des espoirs de la libération. Si on essaye d'être équitable et de replacer ça dans le contexte de l'époque, la 4e République a été confrontée aux deux grandes ondes de choc qui ont parcouru la planète à cette époque. Les deux grandes ondes de choc de dimension universelle, c'est d'une part la décolonisation et d'autre part la guerre froide. Or, la France est le seul grand pays à ressentir de façon intérieure les deux ondes de choc en même temps. Pourquoi ? D'une part, sur le plan colonial, elle a le deuxième empire colonial du monde. Donc pour elle, la décolonisation, c'est un problème concret avec ce que ça suppose, donc de guerre de décolonisation, de problèmes de rapport avec l'opinion, mais aussi la guerre froide, pour elle, n'est pas simplement un problème de défense nationale ou de diplomatie. Le premier parti en France, qui, à la fin des années 40, fait 28% des suffrages exprimés, c'est le Parti communiste français. Donc pour elle, la guerre froide, comme en Italie par exemple, c'est un problème intérieur. Donc, incontestablement, la 4e République a dû affronter des problèmes historiques cumulés. Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine ? Un gouvernement tous les 8 mois, une instabilité ministérielle, une image déplorable de la France, fait que c'est pas défendable. Face à la 4e instable et capricieuse, le général joue la carte maîtresse de la durée et de la continuité. Un changement majeur qui permettra à la France, assure-t-il, de peser davantage. De Gaulle pense surtout aux alliés américains, qui ont profité, selon lui, de la faiblesse de la 4e pour tenir le pays en laisse. Il a depuis longtemps des idées très précises sur les institutions qui rendront son indépendance et sa grandeur à la France. Il y avait une base constitutionnelle politique connue, c'est tous les discours que De Gaulle a fait, en particulier le fameux discours de Bayeux, où il annonçait un programme institutionnel, constitutionnel très clair. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif.
à lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement, à lui la mission de nommer les ministres, et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Les gaullistes, depuis le discours de Bayeux, puis le discours d'Épinal, disent fondamentalement, si vous voulez que la France soit dirigée, il faut changer les institutions, donner au gouvernement la possibilité d'agir et de ne pas être sans arrêt sous la domination du Parlement qui est là pour voter la loi. Fin août, le texte officiel est approuvé par le Conseil d'État. Et le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, Charles de Gaulle présente officiellement aux Français la Constitution qu'il va leur proposer d'adopter par référendum le 28 septembre prochain. Le général, qui connaît la valeur des symboles, a soigné les détails. Cette scène a lieu d'abord un 4 septembre, la Troisième République, enfin la République sur les ruines du Second Empire avait été proclamée le 4 septembre 1870, donc déjà date chargée de signification historique et lieu chargé de signification historique puisqu'il s'agit de la place de la République et également tout le, j'allais dire presque le cérémonial est lui aussi chargé de symboles puisqu'il y a un grand V qui est à la fois le V de la victoire, qui rappelle le rôle historique du général de Gaulle, le chef de la France libre en majesté, mais aussi le V qui est le 5 en romain, en quelque sorte, de la Ve République. André Malraux, ministre de l'Information du gouvernement, a pour mission de chauffer la salle. Ici Paris, honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. De Gaulle sent que le pays est avec lui, mais il a cœur de se défendre contre les accusations de dictature. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge. Derrière lui, dans la tribune d'honneur, à côté des gaullistes historiques comme Michel Debré, les ralliés comme Houphouët-Boigny ou Guy Mollet sont les témoins de son ouverture républicaine. Sortir de son rôle. Voilà, Française, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Quelqu'un, si j'ose dire, mais quelqu'un collectif qui est posé en arbitre de tout ça, c'est l'opinion. Car la procédure choisie, il faut le rappeler, c'est le référendum. Et donc, si vous voulez, le 4 septembre, on montre au peuple français, en quelque sorte, on évoque le texte, mais on lui signifie qu'il sera l'arbitre. La campagne du 28 septembre peut enfin commencer. Le pouvoir ne lésine pas sur la mobilisation des Français, car le général a fait de la participation un enjeu majeur. L'objectif, c'est un oui franc et massif qui donnera au nouveau régime sa légitimité. Tous les grands partis organisés, de gauche, de droite et du centre, appellent à voter oui au texte constitutionnel. Il faut bien voir que le oui s'explique aussi en 1958, par le fait que le général de Gaulle a eu l'habileté dans son gouvernement de donner l'impression de l'union nationale. À part les communistes et à part les survivants du mouvement Poujade, hein, tout le monde y est. Face à ce rouleau compresseur, les défenseurs du non partent en ordre dispersé.
Le Parti communiste français jette toutes ses forces, ses milliers de militants unanimes et déterminés dans la bataille pour le non, mais il reste infréquentable. Car pour l'Union des forces démocratiques de Mendès et Mitterrand, se rapprocher du parti, totalement inféodé à Moscou, ce serait trahir le grand allié américain et donner un argument supplémentaire aux gaullistes. Car dans une grande partie de l'opinion, le nom à De Gaulle est identifié aux communistes. Ils le monopolisent. La gauche non communiste a du mal à se faire entendre. Ses leaders n'ont pas d'appareil, peu de militants, et leur qualité intellectuelle ne compense pas cette faiblesse. François Mitterrand, par exemple, qui a 42 ans, s'est d'emblée posé comme un opposant farouche. Mais il n'a presque personne derrière lui. Et la gauche non communiste, anticoloniale, lui reproche d'avoir couvert comme ministre les condamnations à mort prononcées par les tribunaux d'Alger et l'usage de la torture par les militaires. Alors, moi, en 58, je ne connaissais pas du tout Mitterrand. Je ne connaissais pas Mitterrand. Il a été ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Guy Mollet. Il n'avait pas très bonne réputation. Cette gauche d'inspiration humaniste lui préfère très nettement Pierre Mendès France, qui n'a pas non plus de force organisée derrière lui, mais dont l'audience est incomparable, et qui conteste De Gaulle et sa constitution sans faiblir. Mais moi, vous savez, je fais partie d'une génération qui a connu Mendès France et le gouvernement Mendès France comme une espérance incroyable. En 54, quand il devient président du Conseil, il dit « Je vais régler l'affaire d'Indochine en tant de semaines ». Il l'a fait, donc son prestige était fantastique. Bonjour mesdames. Mendès et Mitterrand négligent de participer à la campagne télévisée, une première en France. Ce sont des personnalités beaucoup moins connues qui parleront pour eux. De la Constitution elle-même, je vous dirai peu de choses. C'est une Constitution autoritaire qui permet au président de la République de prendre la plus grande partie du pouvoir, de dissoudre l'Assemblée comme il le veut, de la court-circuiter par un nouveau référendum plébiscitaire, ou même de prendre la totalité du pouvoir législatif en invoquant des menaces contre les institutions. Cela, ce n'est pas une constitution républicaine, c'est une constitution bonapartiste. Claude Bourdet fut résistant de la première heure, déporté, compagnon de la libération. C'est un militant anticolonial de conviction. Je vous dis, votez non, n'hésitez pas un instant. Moi j'ai voté non, mais j'ai voté non contre la Constitution, pas contre De Gaulle. J'étais assez content que De Gaulle vienne au pouvoir. Pourquoi ? Parce que pour moi, De Gaulle, ça évoquait la résistance. Mais les institutions étaient des institutions que je jugeais antidémocratiques. L'état d'esprit antiparlementaire qui domine est un état d'esprit antidémocratique. Moi, je pense fondamentalement que seuls les pays dans lesquels le Parlement joue un rôle important, constant et invariable sont des démocraties. Les États-Unis, l'élément de résistance à des fous comme Trump, c'est quand même le Congrès. Le fondement de la démocratie, c'est un Parlement qui discute et qui a des pouvoirs. Quand le Parlement ne peut plus discuter, puisqu'on peut le supprimer par ordonnance, etc., et n'a pas de pouvoir, puisqu'on peut le forcer à adopter son vote, la démocratie est diminuée, elle n'est pas abolie, elle est diminuée. Ce qui est très caractéristique pendant cette période, c'est que le paysage politique éclate. Chez les socialistes, vous avez naturellement Mitterrand qui est contre. Il veut apparaître comme l'opposant à De Gaulle. Mendès, dont on ne comprend pas très bien la position, puisque lui a écrit un livre pour condamner déjà le fonctionnement des institutions de la Quatrième République. À droite, on voit des gens comme Poujade qui sont violemment contre De Gaulle. Et donc, 58, c'est l'éclatement du paysage politique. Ils ne vont pas faire, ces opposants, la moindre proposition pour modifier le projet constitutionnel du général de Gaulle. Cette absence de plan B, de texte alternatif à celui des gaullistes, est le handicap majeur des partisans du non. Il donne le sentiment de défendre vaille que vaille la 4e République que personne ne regrette. Leur campagne est la chronique d'un combat perdu d'avance. Paris, qui s'était levé tôt pour aller voter. Le président René Coty était venu à pied faire son devoir. Le général de Gaulle était lui aussi redevenu simple citoyen.
Fernandel s'enfermait dans le secret à Marseille et Yves Montand votait par correspondance à Lyon. Tandis qu'à Louviers, M. Mendès France faisait son choix. Ceux qui ont voté non comme moi, pour la plupart, ne pensaient pas que le non allait l'emporter. L'ambiance de la France de septembre 58, c'est pas l'ambiance d'une France qui se révolte contre De Gaulle ou contre son projet constitutionnel. Le résultat du vote dépasse toutes les espérances des gaullistes. Le oui frôle d'un cheveu les 80%. Eh bien, nous revoici en effet dans ce studio où nous avons passé une partie de la nuit. Mais nous sommes en mesure maintenant de vous donner les résultats définitifs pour la métropole. Eh bien, à cette heure-ci, le pourcentage des oui s'établit, vous le voyez, à 79,25% et celui des non à 20,75%. On aurait pu attendre un résultat beaucoup plus serré. Or, non seulement ce résultat n'est pas serré, mais il est sans appel, puisque près de 80%, exactement 79,2% des exprimés, se prononcent en faveur du oui lors du référendum du 28 septembre. Mais de surcroît, 85% des Françaises et Français ont été votés. Ce qui est intéressant, c'est que ce vote du 28 septembre, non seulement donne la légalité, puisque les formes de dévolution du nouveau pouvoir sont respectées, mais donne aussi une légitimité d'emblée. Et donc vous voyez que ce oui et ce non vont plus loin en quelque sorte que le simple résultat d'un référendum, elle consacre d'entrée, il y a une forme d'onction démocratique face aux institutions de la Ve République. La nouvelle constitution est scellée le 4 octobre. Debré et les gaullistes triomphent, au grand désespoir de la gauche du non, sortie chaos du référendum. Et elle a peu de temps pour panser ses blessures. Dans deux mois, auront lieu les élections législatives, de laquelle sortira la première Assemblée nationale du nouveau régime. À côté des grands partis qui se sont ralliés au général, les gaullistes créent à cette occasion un nouveau parti, rien qu'à eux, l'UNR, Union pour la Nouvelle République. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français, d'une certaine façon, vont rester logiques par rapport à leur vote de la fin du mois de septembre, puisqu'un certain nombre de partis, enfin, les partis ou les hommes politiques qui avaient appelé à voter non, vont le payer très cher électoralement. Monsieur Mendès France, à Louviers, est battu. Dans la Nièvre, Monsieur Mitterrand faisait partie des 338 députés sortants non réélus. Autre perdant, Jacques Duclos à Montreuil et le Parti communiste qui n'a que 10 élus. L'exemple le plus concret, c'est le Parti communiste français. Il n'a plus que 10 députés. Lui qui avait toujours eu un groupe parlementaire supérieur à 100, se retrouve avec 10 fois moins. Il est totalement laminé sur le moment. Je dis bien sur le moment parce que les cultures politiques ne meurent pas par décret, ni même au moment d'une fracture comme celle de 58. Et ce qui est intéressant, c'est que le Parti communiste, par la suite, va renaître très rapidement et il redeviendra, en tout cas pour les années 60, l'adversaire principal du général de Gaulle. Mais il y a un quatrième round. Et c'est celui qui est passionnant, c'est celui de l'élection du général de Gaulle comme président de la République. Il reste en effet une dernière étape à franchir pour que le triomphe de Charles de Gaulle soit complet, qu'il soit élu président de la République. L'élection présidentielle aura lieu à la fin du mois de décembre 1958. Et pour cette première sous la Ve République, le suffrage ne sera ni universel ni direct. Le général va se faire élire par un collège électoral de 80 000 grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux d'une France encore très rurale. Le 29 décembre 1958, 80% de ces grands électeurs accordent leur suffrage à Charles de Gaulle, qui devient donc le premier président de la Ve République. Avant tout, Françaises, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême
dans toute l'étendue qu'il comporte désormais et suivant l'esprit nouveau qui me l'a fait attribuer. Maintenant, Charles de Gaulle est vraiment dans la place. Le changement dans la conduite des affaires politiques est spectaculaire. L'Élysée devient le centre du pouvoir au détriment du Palais Bourbon. Les gouvernements nommés par le général mettent en musique les orientations qu'il décide. Pourtant, à l'usage, les critiques contre le pouvoir personnel du général, formulées par les opposants à la Constitution, s'avèrent pertinentes. Partout. Et sur tous les sujets, de Gaulle impulse, décide ou tranche. Le Parlement est réduit au rôle de chambre d'enregistrement. Pour les grands partis qui s'étaient ralliés à lui, le réveil est douloureux. L'un après l'autre, les états-majors socialistes, radicaux, démocrates chrétiens rappellent leurs ministres et quittent le navire gaulliste. La majorité parlementaire se restreint aux gaullistes purs et durs de l'UNR et à la droite républicaine. Cependant, l'opinion semble ravie et elle a tendance à attribuer les belles années d'expansion que vit le pays à l'action du gouvernement nommé par le général. C'est l'époque où Louis Jox est ministre de Gaulle alors que son fils Pierre, tout juste sorti de l'ENA, travaille au commissariat du plan. On avait des discussions extraordinaires. Combien on attribue au développement des équipements collectifs? Combien à la consommation des ménages? Combien aux régimes sociaux? Donc attribuer à une république ou à un régime ce qui s'est passé à l'époque, c'est totalement faux. La France était sur la continuation du mouvement de reconstruction, de développement, etc., de remise au travail, de repopulation avec le baby-boom. Et la France a été dans une période de prospérité. Quand on dit les 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses, elles se répandent entre la 4e République et la 5e, d'une façon qui n'a absolument rien à voir avec les institutions. Donc c'était des gouvernements très compétents, volontaristes, mais qui pouvaient être volontaristes parce qu'il y avait 5% de taux de croissance les mauvaises années. Vous comprenez? Quand les Bretons ont fait péter le pylône de télévision en Bretagne, mon père m'a raconté ça et moi je l'ai vécu parce que je travaillais au plan. De Gaulle a dit au conseil des ministres, les Bretons sont des cons, mais c'est un bon Français. Ils m'ont tous rejoint à Londres. Ils se révoltent parce qu'ils sont pauvres. Quand ils seront pauvres, quand ils seront riches, ils se révolteront plus. Alors, notez, il a dicté au gouvernement le plan routier breton, qui a été fait. Moi, j'ai participé à faire le plan routier breton. Il a dit, à Rennes, il n'y a pas d'industrie. Mettez-moi de l'industrie. Oh, on a mis Citroën. À Brest, il n'y a pas d'industrie. Oh, mettez-moi de l'industrie. On a mis les ordinateurs. Et on a l'Agnon, le téléphone, on a industrialisé la Bretagne. Et les coopératives agricoles ont été inondées de crédits d'art. Entre les années 60 et 70, la Bretagne a bénéficié d'une masse d'interventions publiques organisées, systématiques, suivies. Et aujourd'hui, la Bretagne est une des régions les plus prospères et les plus équilibrées de France, en partie à cause de cette action politique d'État, étatique. Et ça, c'est vrai, ça a été la période bénie de Gaulle. Mais jusqu'en 1962, la tâche principale de Charles de Gaulle, c'est le règlement de l'affaire algérienne. En mars 1962, par les accords d'Évian, l'Algérie devient indépendante. Le million d'Européens qui y vivaient regagne la métropole. Les partisans de l'Algérie française, qui avaient mis tous leurs espoirs dans le retour au pouvoir du général, ont le sentiment d'une trahison. Les plus irréductibles, regroupés au sein de l'OAS, se lancent dans une campagne d'attentat qui se conclut le 22 août 1962 par une tentative d'assassinat sur le général, mitraillé dans sa voiture officielle du côté de Clamart et qui en réchappe de peu. De Gaulle profite de l'émotion suscitée pour relancer un vieux projet qui lui tenait à cœur. Les attentats qui ont été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère et bientôt dans la catastrophe. Je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. Alors, loger 11 balles au fusil mitrailleur dans une bagnole,
c'est à la portée de n'importe qui, un peu entraîné. Mais c'est quand même quelqu'un d'entraîné. C'est pas comme tirer un perdreau qui vole comme ça. Hein. C'est bon. Miraculé. De Gaulle était miraculé. Donc quand on est miraculé, c'était presque comme Saint-Louis, quoi, tout d'un coup. Et quand il dit. Alors qu'il mijotait cette idée depuis longtemps. Je le sais par ailleurs, je n'en ai pas caché ça. Quand il dit « Ah, c'est trop grave, il peut arriver n'importe quoi. » Quel rapport entre le risque d'un assassinat politique et le risque d'une transformation politique incroyable qui consiste à donner à un président déjà très puissant l'onction supplémentaire et suprême d'être élu directement? Quel rapport entre les deux? Aucun. Très probablement, le général de Gaulle, dans ses tractations de juin 58, au moment où s'élabore la Constitution, aurait souhaité, dès ce moment-là, hein, qu'il y ait l'élection du président de la République au suffrage universel. Et là, il y a des blocages. D'une part, parce que les hommes politiques comme Guy Mollet et d'autres n'auraient pas accepté jusque-là. Et donc, le général de Gaulle, qui est en même temps un fin politique, le comprend. Je ne dis pas qu'il en fait son deuil, mais en tout cas, sur le moment, il suspend son projet. Il y a eu des discussions, le général avait posé la question à mon père, et finalement, ils l'ont écarté pour plusieurs raisons. D'abord parce que le général de Gaulle considérait que, compte tenu de son rendez-vous avec l'histoire de la France, et l'histoire de la guerre et de la résistance, il n'avait pas besoin de cela pour bénéficier d'une grande autorité et d'une grande légitimité, premièrement. Deuxièmement, qu'on n'allait pas donner un argument en plus aux Mitterrand, Mendès et autres personnages qui parlaient du pouvoir personnel. Et enfin, il y avait le souvenir de l'histoire de France. En 1848, le président de la Seconde République est élu au suffrage universel, uniquement des hommes. Et on va élire Louis-Napoléon Bonaparte. Et Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État le 2 décembre 1851 et créer le Second Empire. Michel Debré avait défendu le projet de constitution de la Ve République en disant que c'était un parlementarisme rationalisé. C'était fait pour atténuer les craintes des défenseurs que nous étions de la thèse de la dictature et du pouvoir personnel. Bon, à partir du moment où on fait passer l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, on ouvre la possibilité de... D'abord, ça renforce notre argumentation sur le caractère personnel et la menace dictatoriale portée par le président de la République. C'était pas l'élection de Gaulle, qui avait à l'époque déjà 65 ou 70 ans. C'était l'élection de Gaulle, puis d'autres. Quels autres? Personne ne peut le dire. Et ça, c'était un grand danger pour la démocratie. Pourquoi? Parce que les pouvoirs donnés à quelqu'un par un système constitutionnel est accru, renforcé par le mode d'élection qui est élu au suffrage direct, ça crée un déséquilibre. Dans l'esprit de l'époque, c'est impensable dans la culture parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un homme qui deviendrait, au pire, un homme providentiel, avec ce que ça suppose de mauvais pour un parlementaire, et de toute façon, quelqu'un dont la légitimité serait supérieure à la leur. C'est change psychologiquement tout. Et quand on est élu député sur son propre nom, ah, on est fier, on est content, on est même orgueilleux. Si on est élu président de la République, soit son propre nom, on n'est plus le même. Moi, je les ai connus avant d'être président. Et après. Pourquoi ils sont plus le même? Parce que tout d'un coup, ils sont dans une situation extraordinaire. Un député n'est pas dans une situation extraordinaire. Seul, il ne peut rien. S'il n'est pas dans une majorité, si, il peut agir, il peut rassembler autour de lui, mais seul, il ne peut rien. Un président de la République, seul, il peut beaucoup. Il peut décider des choses incroyables. Même Mitterrand, quand la grande bibliothèque à Georges-Anne, dans son bureau, il y avait la maquette de la très grande bibliothèque. Je regarde ce truc-là, je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la maquette de la grande bibliothèque. Mais je dis, c'est horrible. Horrible, comment c'est horrible, non? Vous voyez la symbolique des livres, il n'y a pas un livre qui ressemble à ces blocs, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, écoutez, de toute façon, vous n'êtes pas chargé de ça, vous n'avez pas été... Je dis, mais vous non plus. Comment? Il n'y a que Louis XIV qui décidait qu'on faisait Versailles, qu'on amenait de l'eau, mais pourquoi vous croyez que c'est vous qui allez choisir le bon modèle architectural et technique pour une bibliothèque? Au nom de quoi? La proposition d'élire le président au suffrage universel fait l'unanimité contre elle. En outre,
les parlementaires se sentent ignorés et bafoués par le général qui a choisi d'utiliser le référendum pour faire passer sa réforme. Le 5 octobre 1962, une motion de censure est déposée par la coalition hétéroclite de ses opposants. On y trouve associés ceux qui ont voté non en 1958 et les partis qui s'étaient ralliés à lui. C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire. La motion de censure l'emporte. Privé de majorité, le général riposte. Il dissout l'Assemblée. Allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Dès lors, la campagne pour le référendum s'effectue dans une atmosphère de tension politique extrême. De Gaulle est seul contre tous. Ce qui avait changé en 1962, c'est qu'on était loin d'être tout seul à ce moment-là. Il y avait le cartel des noms qui avait réuni à peu près toutes les forces politiques de gauche et même au-delà. Françaises et Français ont eu à trancher au fond de leur conscience le débat ouvert entre les partis et le chef de l'État sur l'élection au suffrage universel du président de la République. À la mairie de Colombelles et Deux-Églises, redevenu pour un moment simple citoyen, le général de Gaulle a, comme tout le monde, déposé son bulletin. En fin de soirée, au ministère de l'Intérieur, 62,10% des suffrages pour le oui, 37,90% pour le non. 62%, c'est extraordinaire quand on songe que toute la classe politique, sauf les gaullistes et les quelques giscardiens, appellent à voter non, à tel point qu'à l'époque, on parle du cartel des noms. Et vous voyez que par rapport à 1958, la situation du non par rapport aux nouvelles propositions du général de Gaulle a changé. C'est de la plus grande partie du périmètre politique, théoriquement, qui à cette date appelle à voter non. Alors qu'en 1958, la plus grande partie du spectre appelait à voter oui. Sur la lancée de leur victoire en solitaire, les gaullistes partent en serré aux législatives qui suivent le référendum. L'UNR du général triomphe au détriment de ses anciens alliés. Par contre, ceux qui avaient défendu le non dès 1958 regagnent des couleurs. C'est le cas de François Mitterrand, qui retrouve le siège perdu cette année-là. Il s'affirme d'emblée comme un opposant déterminé en portant ses coups contre les institutions. Vous vous autorisez à priver progressivement le Parlement du droit fondamental de contrôle et de décision politique hors duquel ce régime parlementaire ne serait plus que l'alibi d'un pouvoir personnel. Dès ce moment, Mitterrand songe à l'élection présidentielle de 1965 et il s'y prépare ardemment. Il a déjà compris que le cœur battant de la 5e allait être cette fameuse élection au suffrage universel en deux tours et qu'elle se conclurait par un duel. De Gaulle contre l'homme du camp d'en face. Si Mitterrand veut être cet homme, il va lui falloir rassembler son camp. Pourquoi vous abandonnez l'essentiel de vos prérogatives ? Pierre Mendès-France aussi est de retour au Palais Bourbon. Mais lui ne se présentera pas à la présidentielle de 1965. Il refuse en effet de cautionner des institutions qu'il réprouve. En revanche, il soutiendra la candidature de Mitterrand, qui a dit non comme lui à De Gaulle dès le premier jour. La SFIO de Guy Mollet est discréditée par son oui de 1958. Et elle renonce également à se rendre à la bataille. Restent les communistes toujours ostracisés. Mais Mitterrand veut les inclure dans son camp. La 5e elle-même le réclame. Le duel contre le général l'exige. C'est la seule chance de l'emporter. À pas feutré, Mitterrand lève progressivement l'interdit qui pèse sur les communistes. Je n'ai pas à traiter des rapports des partis entre eux. Cela les concerne et eux seuls. Et je n'ai jamais eu à leur égard ni dédain dans la voix, ni je ne sais quel manque de considération. Et il finit par gagner leur soutien. Le comité central du Parti communiste français a décidé unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations démocratiques sans exclusive. On n'était pas prêt à abonder dans le nouveau système qui était constitué. Donc ça nous permettait de continuer à être contre ces institutions, tout en y participant malgré tout. Mais surtout, la raison principale, c'était que pour nous, ça, c'était un pas de plus fait vers un gouvernement du nom de la gauche. Toute la gauche s'étant rassemblée derrière lui,
Mitterrand s'adresse à présent à tous les Français. Il a pour lui la légitimité d'un combat contre De Gaulle qui a commencé à la première heure. En 1964, un an avant l'élection, il publie le coup d'État permanent, un brûlot incendiaire contre la constitution du général. Mitterrand était un grand homme politique, un grand leader, un grand orateur. Il était très polémiste. Bon. D'ailleurs, la seule preuve, c'est que sur lui faire lire, longtemps après, alors qu'il était élu président de la République pour la deuxième fois, quand on lui faisait lire certaines choses qu'il avait écrites 20 ans avant, il aimait qu'on passe à la suite. Qu'est-ce que le pouvoir personnel, sinon l'abandon par près de 30 millions de citoyens français de leur destin dans les mains d'un seul homme? Sinon l'abdication de la souveraineté populaire au profit d'un guide ou d'un maître? C'est parce qu'elle a compris cela que la gauche, pour la première fois depuis 30 ans, s'est enfin réunie. C'est pour cela que, pour la première fois depuis 30 ans, la gauche, autour de moi, s'est rassemblée face à une droite dominée sans doute par la personnalité du général de Gaulle, mais profondément divisée. La campagne de Mitterrand consiste à réexposer au pays les arguments du non. En 1958, ils étaient inaudibles. En 1965, ils font mouche. Minute par minute, l'évolution du verdict populaire. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le général de Gaulle est mis en ballotage. François Mitterrand est qualifié pour le second tour. Le Château-Chinon est à la seconde place avec 32% des voix. Quant au général de Gaulle, il est en tête avec la confiance de 45% des votants. Et donc, au deuxième tour, il n'y avait plus que de Gaulle et Mitterrand. Et donc, Mitterrand était apparu comme une espèce de super-héros qui avait mis De Gaulle en ballotage et qui, au deuxième tour, rassemblant toutes les voix de la gauche, plus toutes sortes d'autres voix, y compris Tixier, Vignancourt, des vrais fachos, des gens d'extrême droite qui, pour contre De Gaulle, ont voté Mitterrand. Alors au deuxième tour, il n'a pas été ridicule, puisqu'on a fait 45% des voix. Il n'était plus que deux en lice. Les choses sont allées très vite, et dès 23h, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite. Je me réjouis de l'union de la gauche, qui m'a permis de lutter pour la République dans ce deuxième tour de scrutin. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. Nous, on était assommés, fin 65, d'avoir mis le ballottage. Oh, jamais. On ne s'attendait absolument pas à ça. On avait tous des projets qu'on a annulés. Pourquoi? Parce qu'on avait fait la campagne du deuxième tour. Après le deuxième tour, 45%. Alors on s'est dit, on a commencé à créer un parti, le Congrès des Pinèdes, pour présenter Mitterrand, pour le faire élire. On a réussi. Ce qui est paradoxal, c'est que lorsque François Mitterrand va être élu président de la République, il va l'être au suffrage universel, et c'est le seul président de la Ve République qui ne va pas modifier les institutions et qui va s'adapter. En perte de vitesse sous la quatrième finissante, François Mitterrand s'est refait une santé politique grâce aux institutions de la Ve. En ne cessant de les combattre pendant 23 ans, il y a acquis le prestige de la constance. Il est devenu, à partir de 1981, leur plus fidèle et loyal serviteur. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est à convaincre Mitterrand qu'il fallait changer les institutions. Alors qu'on aurait pu le faire, on aurait dû le faire. La seule chose que je me reproche dans la vie politique, que j'ai quittée longtemps après avoir travaillé avec Mitterrand, c'est qu'on n'ait pas fait cette réforme institutionnelle. La France est le seul pays encore démocratique en Europe où il y a un système pareil, où un homme peut se targuer d'avoir reçu du peuple un mandat pour faire ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est totalement aberrant. Et ça mènera sans doute à des troubles, à des difficultés plus grandes. Et puis un jour, j'espère, la France remettra un système démocratique en vigueur. Pour le moment, on est exposé à quoi? À tous les inconvénients, tous les défauts, éventuellement tous les risques qu'un individu trop seul peut faire courir à un pays.